Madame l'Attihad, vous représentez ce matin le secteur de l'hydraulique. Le stress hydrique, une préoccupation permanente aggravée par le phénomène du dérèglement climatique. Cette situation impose un nouveau mode de gestion, une adaptation. Le président de la République a encore insisté récemment sur l'impératif d'augmenter la part des eaux épurées dans l'irrigation. Est-ce que cette réutilisation permettra réellement de réduire la consommation des eaux conventionnelles? Bonjour, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Tout à fait. Donc, comme vous venez de le dire, il y a un pays qui est situé dans une zone aride, à semi-aride. Maintenant, on a le dérèglement climatique qui fait que les périodes de retour reviennent à chaque fois. Depuis les années 80, les années 90, les années 2000. Mais maintenant, les périodes se sont raccourcies. Avant, c'était chaque 10 ans. Maintenant, on le sent chaque 5 ans, chaque une année. Donc, il y a complètement un dérèglement, je le dis, au lieu de changement climatique. La pluie, les précipitations qui ne sont pas dans la période qu'il faut, la zone, enfin, l'année hydrologique qui commence depuis le mois de septembre jusqu'au mois d'août. Donc, des pluies qui devaient être entre septembre jusqu'au mois de mars, des fois, on a au mois d'été. Alors, pour faire face au stress hydrique, bien sûr, donc les pouvoirs publics ont décidé depuis des années, enfin, depuis les années 2000, enfin, les années 2000, à substituer la ressource conventionnelle par une ressource alternative pérenne, qui est le dessalement d'eau de mer, et même, je dirais, la réutilisation. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont été lancées, des réflexions sur ça. Il fallait préparer le terrain avec des textes réglementaires, bon, en commençant par la loi sur l'eau, qui a donc au niveau de la loi sur l'eau, qui dit les articles, l'article 4, je le dis, les ressources non conventionnelles sont de 4, classées en eau de mer dessalée, eau usée purée, eau sans mettre déminéralisée, et même la recherche artificielle d'ENA. Donc le premier programme, si je commence par la satisfaction de l'eau potable, donc pour le dessalement de l'eau de mer, le premier programme de 2003 jusqu'à 2016, on a réalisé 11 grandes stations de dessalement. Avec le programme de 2021, elles sont devenues au nombre de 13. Et ajoutant les stations monoblocs, on est à un nombre de 13. Donc en tout et pour tout, c'est les 26 stations de dessalement pour une capacité installée à 800, plus de 852 millions de mètres cubes. Actuellement, qui satisfait 20% en eau potable. Donc, sa contribution, elle est de 20%. Il y en aura d'autres à la fin de l'année. Il y en aura d'autres à la fin de l'année. Le programme est en voie d'achèvement. Donc, à la fin de l'année, début 2025, on va atteindre les 42%. Et ces 42%, pour avoir plus d'un milliard, 1,399 milliard mètres cubes d'eau par année, un autre programme qui va se lancer début 2025 à l'effet d'atteindre 60% de contribution du lot dessalé pour satisfaire, sécuriser l'alimentation en eau potable au niveau de toute la bande du littoral jusqu'à maintenant la spécificité de cette nouvelle stratégie qui a été décidée, tracée par les pouvoirs publics, donc arriver jusqu'à satisfaire avec l'eau dessalée les wilayas de l'intérieur à 150 km. Donc si on va les satisfaire, donc à un pourcentage qui varie entre 50 jusqu'à 20%, ça dépend la région et les communes, la distance. Par contre, toutes les villes côtières, les 14, c'est une sécurisation pratiquement totale. Pratiquement. De certaines wilayas, je dirais, Oran, on peut arriver jusqu'à 90% de l'eau dessalée. Alger, donc on peut arriver à plus de 70%. À l'est, on a des régions qu'on peut être, à Naba par exemple, à 80%. Donc, je dirais, les grandes villes, c'est là où il y a la consommation. Et c'est des villes, les trois wilayas, c'est des wilayas qui dépendent des autres ressources, enfin les ressources des autres wilayas. À Alger, on est alimenté à partir de Taxept, à partir des autres barrages de l'est, au niveau de l'est, de Tipaza, de Boulumi, etc. Et par contre, Oran, on est alimenté du Mao, donc des eaux superficielles, de Mostaganem, même
de la station de dessalement de Rethymno-Gent, il y a un partage de l'eau, donc une équité, donc selon la Constitution, donc il faut donner l'eau potable et en quantité, en qualité équitable. En tout cas, pour l'eau dessalée, on arrivera à une trentaine de wilayas. On va revenir à l'épuration pour l'irrigation. Oui. Là aussi, un programme ambitieux a été tracé. Comment Tout se décline-t-il? Donc, comme je disais, donc c'est une autre ressource aussi pérenne et qui évolue dans le temps. Qui évolue dans le temps parce que plus on a la production, l'augmentation des besoins, donc on a augmentation des rejets de facto. Donc, il faut mettre le paquet sur l'épuration. L'Algérie, elle est dotée quand même de plus de 232 stations d'épuration à l'heure actuelle, pour une capacité installée de plus de 1 milliard mètres cubes an. Donc, vous voyez, c'est comme le dessalement. Donc, on est arrivé à plus de 1 milliard. Un programme de réutilisation qui existait déjà depuis le temps, mais était timidement sur des petites parcelles. Il fallait préparer les textes, les normes. Donc, nous avons une norme algérienne spécifique à l'Algérie qui a été validée en 2014. Et flexible dans le temps et dans l'espace, et il y a une spécificité dans cette norme avec un guide pratique, comment on utilise selon la qualité de l'eau existante, disponible, qu'est-ce qu'on peut irriguer. Donc la priorité en Algérie, c'est l'irrigation. Mais viendra aussi d'autres aspects de réutilisation industrielle et d'autres pour usage municipal, comme l'espace vert. Donc là, on a préparé tous ces textes-là, les normes et tout. Maintenant, il y a les projets de grande envergure, je dirais, comme le dessalement. Donc, les grandes stations, les grands projets de réutilisation, on a visé beaucoup plus les grands périmètres d'irrigation, c'est la sécurité alimentaire. Donc, pour ces grands périmètres d'irrigation, on a aussi la petite moyenne hydraulique qui vient après. Petite moyenne hydraulique, il faut aussi un traitement tertiaire parce que la PMH, même si on fait la arboriculture, il y a intercalé avec du maraîchage. Donc, il faut un traitement tertiaire pour protéger la santé publique et aussi protéger les nappes, les eaux souterraines. Vous savez que la PMH, elle utilise les eaux souterraines. Donc, s'ils utilisent des deux eaux, on a un risque aussi de pollution. Donc là, on a quand même pour un programme qui s'est lancé en 2023. Donc, des programmes 2023, 2024, 2025, jusqu'à 2030. Pour le programme de 2023, il y avait 48 projets. Donc, il faut pas oublier qu'il faut mettre à niveau les stations d'épuration, surtout celles anciennes. Donc, il faut les mettre à niveau avec une adaptation des process d'épuration. Et en même temps, collecter toutes les eaux usées et pures, enfin brutes, produites à l'amont. Parce que vous savez, l'extension des villes et tout ça, donc on est en train de raccorder ces rejets. La station, elle est là, d'épuration, une capacité installée pour une vingtaine d'années, une trentaine, parce qu'avec des filiales d'extension. Mais là, il faut collecter toutes les eaux pour avoir un potentiel important, le volume important. Donc, je disais tout à l'heure, c'était les stations à 1 milliard. Donc, actuellement, on était à 405. Plus de 405 millions de mètres cubes eau produite. Avec le programme des 48 projets là, on va atteindre les 590 millions de mètres cubes an. Donc, on passe d'une réutilisation qui était de 11% à 19%. Donc, vous voyez, c'est comme le dessalement. On est à 20%. La réutilisation, on va atteindre aussi la même chose, 20%. On va 20% pour l'irrigation 19% pas pour l'irrigation seulement. On a une partie pour les grands périmètres à 40%, pour la petite moyenne hydraulique à 20%, et on a aussi pour l'espace vert. Donc, la tendance va être inversée. La PMH, le pourcentage va augmenter quand on augmentera, on mettra à niveau les stations d'épuration qui sont des stations irrigation. Station d'épuration, elle sera destinée uniquement à l'irrigation. On va mettre un traitement tertiaire, bien sûr. Et pour tout ce qui est industriel, bien sûr, on met un traitement tertiaire pour donner à l'industrie, mais c'est à l'industrie de mettre à son niveau, sur la spécificité de la qualité exigée pour son industrie, un autre traitement. Donc, il y a toute une chaîne de process à mettre en place pour avoir une eau quand même... une eau en quantité et en qualité.
Voilà. Donc, pareil pour la réutilisation, on va atteindre aussi les 60% progressivement. On atteindra les 60% à l'horizon 2030. Bien sûr, il y a un programme de nouvelles stations d'épuration qui va être inscrit pendant cette période-là. Et on a aussi un programme d'extension d'autres stations d'épuration existantes. Et on a aussi le programme, sur tout cela, d'acheminer tous les eaux usées brutes, produites vers ces stations d'épuration. Donc avec ces deux programmes-là, avec le dessalement et la réutilisation, on va inverser. Donc on va inverser l'usage des ressources, des ressources conventionnelles et non conventionnelles. Donc avec le dessalement, quand on donne 20 plutôt à 60% à l'horizon 2030, même maintenant à 42%, on est en train d'inverser l'eau du barrage qui est destinée à l'AEP, la transférer pour l'irrigation. Donc là, on est en train d'accompagner le développement de la sécurité alimentaire en Algérie par le dessalement indirectement. Et on passera après aussi pour la réutilisation directement. Donc, à partir des barrages. Donc, vous voyez les barrages des eaux superficielles des barrages et les eaux superficielles des eaux usées épurées qui vont renforcer aussi la sécurité alimentaire. Pour l'industrie, pareil. Peut-être imposer les steps la réalisation des... Oui, on l'impose, mais maintenant, il y a certains agriculteurs qui nous demandent de réaliser les steps pour irrigation parce qu'ils ont constaté... Je parlais de l'industrie, plutôt de l'industrie. Ah, l'industrie. Oui. L'industrie, on est en train de l'imposer indirectement dans les projets. Je vous cite le projet de garage billette avec l'industrie au niveau de Béchar. Vous connaissez la zone avant les dernières pluies, donc il y a pratiquement de la ressource souterraine beaucoup plus. On a imposé d'utiliser les eaux usées épurées de la steppe Béchar avec les forages. Donc, c'est un mixte d'usage et c'est à eux d'avoir un traitement aussi poussé au niveau de leur industrie. On a aussi le Hadjar, la même chose. Madame Lahtihet, la ressource est répartie de façon inégale à l'échelle mondiale, mais également à l'échelle d'un pays ou une même wilaya parfois. La gestion intégrée de l'eau doit permettre d'allouer l'eau équitablement pour lutter contre ces inégalités. Comment mettre en œuvre ou concrétiser l'hydrosolidarité des territoires? Tout à fait, vous venez de dire qu'elle est inégalement répartie. Donc, la vision qui a été depuis des années 90, c'est mettre une hydrosolidarité via des bassins versants. Comme vous savez, le barrage, c'est un bassin versant. Donc, on mobilise des eaux dans un bassin versant. Il y a un barrage qui est humide, il y a un barrage qui n'est pas humide. Et puis, il y a aussi des périodes de retour, comme je disais tout à l'heure. Comme on avait ces dernières années des barrages à sec, donc d'autres barrages alimentés. Donc il y a eu la mise en place des infrastructures de base hydrauliques. Donc construire les grands barrages de mobilisation et des interconnexions entre les barrages, donc entre les bassins versants. Et là, acheminer avec des transferts vers des wilayas, plusieurs wilayas. Vous avez les barrages à l'est du pays, Beni Haroun, 6 wilayas, donc il y a des grands transferts qui consomment beaucoup d'énergie, je dirais entre parenthèses. Et à côté de nos centres, il y a aussi le Mao à l'ouest, il y a aussi au sud, Ain Salah Tamra, c'est des eaux souterraines, donc pas uniquement les barrages. Il y a le nouveau projet entre Adrar et Tindouf. Tout à fait, Adrar et Tindouf. Il y a énormément de projets de transfert d'eau, que ce soit pour le nord, que ce soit pour le sud. Là, on parle de l'équité de l'eau potable pour tous les citoyens du nord du pays et du sud du pays. Donc, donc chaque zone, je dirais, a sa spécificité régionale. Donc, d'ailleurs, je reviens, quand on a commencé à cette stratégie à la mettre en place qui a consommé, je salue les pouvoirs publics, donc ils ont mis le paquet des milliards de dinars pour réaliser ces grandes infrastructures de base. Donc on a commencé par la vision de gestion intégrée des eaux par bassin versant, par région hydrographique, d'où ces transferts et ces adductions. Et là revient la ressource non conventionnelle qui va se greffer sur ces transferts déjà réalisés. Ça, c'est une bonne chose. Donc là, il y a une équité. Il n'y a pas l'eau, donc on va le partage, l'équité et la solidarité territoriale à l'échelle de bassin. Mais je parle à l'échelle de wilaya. Donc chaque wilaya, elle est située dans une zone et à l'échelle même de commune.
parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une extension des pôles urbains énormes. Donc même l'économie qui se développe industrielle au niveau de certaines wilayas. Et si on passe à avant, il y avait des petits réservoirs au niveau des communes. Donc les réservoirs qui suffisaient uniquement, enfin pour un quartier, pour deux quartiers ou autre, des réservoirs d'eau pour distribuer et qui sont pas des réservoirs qui perdent leur autonomie parce qu'il faut avoir un réservoir quand il y a une coupure d'eau, au moins 24 heures à 72 heures de satisfaction de la population en H24. C'est pour ça qu'il y a eu des restrictions, maintenant que je vais pour expliquer un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des restrictions. Parce qu'il faut donner à l'autre quartier. Donc on commence de la petite échelle d'un quartier à l'autre, une solidarité. On arrive entre les wilayas et entre bassins versants. Donc là, c'est la vision des grands transferts et qui coûte cher, hein, de grands transferts par rapport à la consommation énergétique. Voilà. Et pour votre deuxième question, qui est La nécessité la de répondre nécessité aux besoins de également. répondre aux besoins. Donc, pour répondre, l'ADIE, les SPACA, le CEOR et autres, donc ils ont tout un programme, tout un programme. Il ne faut pas que le citoyen pense qu'on est en train de favoriser un quartier ou un autre. Comme je viens de l'expliquer, c'est par rapport à la capacité de stockage au niveau de leur quartier ou au niveau de leur commune. Donc, si un réservoir se vide, c'est difficile de le remplir à nouveau. Donc, il faut Le quand même même donner. problème se pose au niveau des stations de dessalement. Parfois, le consommateur ne comprend pas qu'il y ait des coupures. La coupure, Voilà, elle est tout à imposée fait. par la maintenance. Oui. Par ailleurs, il faudrait peut-être augmenter la capacité de stockage au niveau même Oui. de. Donc, c'est ce qui s'est passé dans plusieurs wilayas, notamment même Alger et les grandes villes. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'espace pour installer tous les réservoirs d'autonomie. Donc, c'est là d'où vient le programme de distribution. Des plages horaires bien fixes selon la disponibilité de la ressource. Bien sûr, dans le réservoir, ils sont selon aussi la disponibilité des ressources à l'amont. Quand vous dites dessalement, quand il y a une coupure de dessalement inattendue, donc c'est imprévisible, quand elle est programmée, les opérateurs chargés de la distribution, quand même, il dresse un programme des plages horaires bien fixes afin d'assurer l'eau au robinet pour tous les citoyens équitablement. Assurer l'eau, y compris dans le sud, parfois l'équation est difficile parce qu'il Oui. faut dans le même temps préserver les eaux souterraines. Quelles mesures prises? Oui. Que ce soit pour le nord ou le sud, donc pour préserver, c'est ça la stratégie des zones conventionnelles. Donc on va inverser, on est à 20% de dessalement pour l'eau potable. On a une production, une moyenne de 3,4 milliards de mètres cubes en produite pour l'alimentation en eau potable, dont 56% sont à partir des eaux souterraines. Quand viendra le dessalement, on va atteindre, enfin, l'objectif, c'est de ne plus soutirer pour l'eau potable plus de 20%. C'est pour préserver cette ressource pour les futures générations. Idem pour les barrages, donc plus soutirer de 20% pour les barrages pour l'AEP, parce qu'on va inverser l'équation. Et là, les autres ressources, vous dites, qu'est-ce qu'on fait pour les eaux superficielles? Ça sera réaffecté pour l'irrigation. Pareil pour les eaux, pour la réutilisation, parce qu'on utilise plus de 57 à 58% d'eau souterraine sont destinées à l'irrigation. Donc, si on arrive avec la réutilisation à 60% de réutilisation, donc on va aussi soulager les eaux souterraines. Donc on va plus soutirer plus enfin un certain volume. Donc on va un petit peu tracer une feuille de route par région. On ne peut pas généraliser. Donc certaines régions, on ne peut pas s'en passer de eaux souterraines comme le sud. Le sud, le Haut-Plat, je cite le cas de transfert de Ain Salah Hatem Rasset. Donc c'est pour l'AEP, mais on a aussi le développement de l'agriculture saharienne. Donc là aussi, il y aura des nouvelles des techniques pour économiser l'eau, des techniques économes d'eau, d'irrigation. Donc il y aura un suivi quand même rigoureux pour tout ce qui est l'agriculture saharienne, même au nord, hein, le développement agricole, parce que l'agriculture, elle consomme plus que l'AEP. Les 70% Tout à fait. vont vers l'irrigation. Avant, l'irrigation, c'était 6 mois, mais maintenant, avec la sécheresse, il n'y a plus l'irrigation.
enfin pluvieuse, je dis, là, il n'y a plus la normale. On ne peut plus compter sur le, oui. sur les pluies. Donc on peut passer dans une région jusqu'à 9 mois à 12 mois d'irrigation avec des lots douces qui sont stockés. Mais la vision stratégique, c'est sécuriser l'eau potable et en même temps aussi satisfaire et accompagner le développement socio-économique et préserver les eaux souterraines pour les futures générations, surtout les grandes réserves. La guerre de l'eau, elle est mondiale. Certes, certains pays se livrent à des actes de détournement de la ressource, de pollution également. Quel mécanisme pour y faire face ? Bon, pour la guerre de l'eau, c'est à l'échelle mondiale. Ce n'est pas uniquement en Algérie ou bien en Afrique. Vous avez constaté ces deux dernières années, même en Europe ou en Amérique ou ailleurs, ils ont des régions qui sont à sec comme les nôtres. Donc il y a des pays aussi qui partagent des ressources, des bassins qui sont partagés. Donc il y a quand même des conventions, il y a des discussions sur ça à l'échelle internationale où l'Algérie, elle participe. Et il y a quand même des conventions qui ont été ratifiées entre les pays, que ce soit bilatéral ou autre. Donc chacun essaye de préserver son territoire et aussi préserver ses ressources. Pas uniquement ressources eau et sol. Donc c'est lié. Il y a des mécanismes qui s'installent, de concertation. Donc ça, on est en train, le pays il est en train de se concerter avec certains pays sur certains projets. Heureusement pour certains pays, bon, ça fonctionne, mais pour d'autres, on n'y peut rien. C'est humain. Donc même si en territoire national interne, quand vous voyez quand il n'y a pas d'eau, donc chacun essaie d'avoir l'eau, ses sources de vie, pour subvenir à ses besoins et survivre sur cette terre. Donc l'eau, c'est incontournable dans un pays, c'est la souveraineté du pays, je dirais même, comme l'énergie, comme le sol, etc. Donc le fait que ces pratiques soient condamnables, il y a par ailleurs des mécanismes pour parvenir à l'économie de la ressource. Vous avez abordé tout à l'heure pour l'irrigation, notamment le goutte à goutte, pour les ménages également. C'est oui. possible. Oui, c'est possible. C'est tous les usagers, je dirais, et à tous les niveaux. Mais le citoyen, commençons par le citoyen, c'est vrai, à son niveau, il faut qu'il soit... Le citoyen, il est dans l'habitat, il est dans l'industrie, il est... Il doit être un consommateur responsable. Responsable à tous les niveaux. Quand on commence à petite échelle, on pensera aussi à grande échelle. Pourquoi ? Je dirais, je m'explique. Là, si on pense à chez soi, on a l'économie de l'eau. Donc, ne plus laisser les robinets couler, tout ça, parce que, je dirais tout à l'heure, il va, si tout le monde fait ça, donc le réservoir ne sera pas suffisant. Donc, il y aura des restrictions plage horaire. Si on passe à l'habitat, donc l'habitat aussi, il faut qu'il y ait des constructions quand même intelligentes pour économiser l'eau. Moi, je vois quand il y a, au niveau de l'habitat, un arrosage avec de l'eau potable qui coûte très cher, qu'il faut passer par une station de traitement avec des produits chimiques et puis on arrose. Pas on arrose, mais même on nettoie les trottoirs avec de l'eau potable. C'est un peu là. Nous avons le cas des stations de lavage. Exactement. Lavage des véhicules. Je dirais aussi, il y a au niveau de l'habitat, si on fait le recyclage interne dans les constructions, au lieu de passer la chasse d'eau, l'eau potable dans une chasse d'eau, alors pourquoi pas utiliser un recyclage interne au niveau des systèmes, les eaux de la cuisine ou de la salle de bain qui passent vers la chasse d'eau, des systèmes comme ça, on construit des bâtiments intelligents. Pareil pour l'industrie. L'industrie, que des taxes existent bien avant, on fait du refroidissement des grandes industries à 80% avec de l'eau douce. Pourquoi on ne pense pas au recyclage aussi,
au lieu de rejeter les eaux. Donc ça pollue, c'est le développement durable. Donc ces rejets, au lieu de, je mets l'accent sur les traitements poussés, les pré-traitements pour arriver à acheminer, surtout quand on a des industries qui sont raccordées au réseau urbain pour une réutilisation. Donc il faut éviter tout ça. Pourquoi pas on fait du recyclage? Et bien ça, il va économiser l'eau, l'industriel, son eau sur... la facture, sa facture, parce que ça consomme beaucoup. Au niveau de l'irrigation, pareil, il y a différentes techniques, pas uniquement les gouttes à gouttes. Donc, il y a différentes techniques d'économiser l'eau et utiliser la quantité qu'il faut pour l'irrigation. Parce que des fois, on arrose, on asperce, pas en aspersant, mais en gravitaire. Et la plante, des fois, elle a besoin juste d'une quantité suffisante pour avoir une bonne production en qualité aussi. Donc, il y a différentes techniques, technologies et différents comportements. Donc, il faut les bonnes pratiques. Tout ça, c'est l'économie de l'eau, c'est l'affaire de tous. Commençons par l'économie de l'eau à un niveau stratégique. On est en train d'économiser en utilisant l'eau pérenne. On est en train d'économiser l'eau douce qui est quand même aussi alimentée à partir des pluies. Donc, on est en train de l'économiser. Passons maintenant à la deuxième phase, la deuxième. Donc, c'est l'affaire de tous. Même pour la production de l'énergie, ça consomme de l'eau. Pour les énergies renouvelables, ça consomme de l'eau. Donc, tout ça, on doit travailler ensemble. D'ailleurs, il y a certains projets en intersectorialité, mais les stratégies se convergent vers la même idée. Même là, vous vous entendez, il y a aussi l'économie de l'énergie. Tout à Donc, fait. tout, on est en train de travailler ensemble sur l'économie de l'eau, l'économie de l'énergie, la sécurité alimentaire. Voilà, Et dans le même temps, et dans le. accentuer la sensibilisation. Madame Latihat Lamia, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je Je vous rappelle que vous remercie. êtes la directrice générale de l'AGIR et vous représentiez ce matin le secteur de l'hydraulique.